Voici la carte de France. La Normandie est située au nord-ouest de la France. Elle est bordée par la Manche, depuis la presqu'île du Cotentin jusqu'au pays de Caux, au nord-est de l'embouchure de la Seine. Nous allons faire une promenade dans le pays d'Auge, au milieu de la Normandie. La Normandie est le pays des prairies. On y élève des vaches renommées par la qualité et la quantité du lait qu'elles donnent. On va retirer la crème du lait. Cela se fait dans une machine qu'on appelle une écrémeuse. La crème coule à gauche. En avant, vous voyez sortir le lait écrémé. Avec la crème, on fait du beurre dans un appareil qu'on nomme une baratte. Après avoir été remué assez longtemps, la crème donne du beurre et il reste un liquide blanc qu'on fait couler hors de la baratte. Et la fermière peut recueillir le bon beurre frais. La ferme normande est agréable à voir. Il y a des pommiers dans la cour.
les valets de ferme affûtent la scie d'une fauteuse mécanique. La charrette pleine de foin si odorant rentre à la ferme. C'est bientôt l'heure du repas. La fermière apporte les bouteilles de cidre. La Normandie n'est pas un pays pauvre et les paysans y sont de bonne humeur. On repart pour les champs. Au mois de juin, il faut couper la bonne herbe qui donnera du foin pour l'hiver. En beaucoup d'endroits, les prairies sont plantées de pommiers et l'on est obligé d'utiliser la faux. Le faucheur coupe l'herbe à ras de terre. On retourne le foin pour le faire sécher convenablement. Tout le monde s'y met, hommes, femmes, enfants. Une fois sec, le foin est mis en meule. La Normandie est aussi le pays des pommes qu'on récolte au mois d'octobre. Les pommes ont fait du cidre. Les pommes sont écrasées dans un broyeur. On les met ensuite dans un pressoir.
et le bon cidre parfumé coule doucement. Plus au sud, dans le Perche, on élève des chevaux. Les chevaux percherons sont renommés pour leur force. Il existe en Normandie des mines de fer importantes aux environs de Caen. Il y a là de grandes usines métallurgiques où travaillent en qualité d'ouvriers beaucoup de gens du pays. La coulée de la pompe au pied du haut fourneau. Les hommes, fils de paysans, travaillent maintenant le fer et l'acier. À Louviers, pas très loin d'Elbeuf et de Rouen, on tisse la laine dans de grandes usines. Beaucoup de femmes sont employées dans ces manufactures. Leur travail est pénible. Les ouvrières sortent par milliers des usines textiles.
Les navires peuvent remonter la Seine jusqu'à Rouen, où ils viennent apporter des marchandises de toutes sortes. Ici, on décharge de la pâte à papier venue de Norvège. Le Havre et le grand port français viennent accoster les paquebots qui assurent la liaison avec l'Amérique du Nord.